Pour une immortelle, c'est plus un must au top. Bah, tout dépend de tes match-up, mais en effet, tu peux faire autre chose. La musique 0 sur 20. T'es ouf, mec, genre. La meilleure musique? Elle est tellement chill. On va juste mettre tout le monde dans l'ordre. Comme ça, tout le monde est content. Tu prends toujours autant de plaisir à jouer à LoL qu'avant, Kellen. Yes. Ah oui, clairement, genre, je sais pas. En fait, le fait que le jeu évolue constamment, je trouve ça super intéressant, tu vois. Et genre même, bah tu vois, des fois aussi, je joue de cette manière-là, où genre j'essaye de jouer des nouveaux persos, je teste des nouveaux builds, tu vois, des trucs un peu what the fuck. Genre, t'as plein de manières de faire en sorte que le jeu soit, genre, presque nouveau à chaque fois, en fait. À gauche, ouais, c'était sûr ça. Là, ils peuvent lui mettre une bonne punition du coup. Voilà. Sun ici une jungle, on va faire gaffe quand même. Il sera gank archi facilement. Normalement, si on est patient, la lane elle devrait push contre nous. On va attendre tranquillement. Elle est courant que je gagne sur un verre. C'est Fervor of Battle Yezio, genre en 1v1 comme ça en early pour essayer de prendre un 1v1 comme ça, c'est ok. Surtout que j'ai Doran Blade et la potion de corruption. Bon, du coup, elle a plus de flash. Là, elle devrait TP soon. Ah. Salut à toi, Lee Sin. Kirelia a TP également. Ah, il va me flash. Ouais. Oh non, il a rien. Il pourra jamais les tuer. C'est un mal fit quoi. C'est dommage, ce TP était un peu late. Il aurait TP plus tôt et il aurait pu me def. C'est pas très grave. Maître Yi, il scale tranquillement en attendant. C'est pas trop grave. On va faire un truc comme ça. Faire build safe. Ah, ma souris, à l'aide. Voilà, faut arrêter de déconner en gros. Voilà, là-dessus je me mets trop bien quoi.
J'en ai récupéré un doublé, je deny presque deux waves à l'aérien. Et moi j'en ai récupéré trois. Je suis trop bien. Non, tu peux y aller hein, si tu veux. Ok. Ouais, on va faire la phage. Hop, une pink, une potion. Let's go. Le 2-1 le plus pitoyable jamais vu. Bon, en effet, genre, y avait genre zéro chance qu'il le remporte. Mais bon, bah écoute, genre. Tu sais, genre, il force le 2-1 sur moi alors que, bah, y a aucune chance qu'il le remporte. Parce que, genre, j'avais une armada de creep. Là, Irelia était low HP et tout. Genre, mais vraiment zéro chance que ça passe. On disait s'il le force et tout, genre je vais pas refuser un double kill, tu vois. Allez, donne-moi script. Nice. Oh, bien joué ça. Bien joué de la part d'Irenia ça. Dommage. Oh. Oh, j'ai raté mon Q-spell quoi. J'ai raté mon second Q-spell, mon dieu. Bon allez, allons-nous-en. On a assez déconné pour jouer. Il y a Irelia qui peut décaler, Talon également et tout, donc on va pas jouer avec le feu. Contre leur compo, on va clairement faire des Tabi Ninja. Je vais perdre en plus, je vais perdre un peu de farm là, c'est dommage. Putain, j'ai raté 2 Q quoi, what the fuck. Pourquoi t'augmentes le Q? Là j'augmente le Q parce que j'ai pas les runes avec lesquelles je joue d'habitude. J'ai pas les 29% d'attaque speed habituel. J'ai de l'AD en rouge. Du coup, sur un matchup de mêlée avec de l'AD en rouge en étant pas full attack speed, c'est plus intéressant pour moi de maxer le Q. J'ai mis un point dans le E par pure habitude, par erreur, mais dans cette situation là, avec cette page de runes là, c'est mieux pour moi de max le Q. Ah oui, le Malphite part full tank mid lane. Bon, on aura du swap dans ce cas-là. Le Yi joue un peu trop passif à mon goût. Genre c'est plus, on n'est plus non plus à l'époque de jungler dévoreur. Genre c'est pas, il a pas à stacker absolument. Genre, je pense qu'on pourrait faire, on pourrait être un peu plus agressif sur Lee Sin avec la pression que je lui apporte. Oh, c'est vrai, j'ai pas touché mon Q sur rien, dommage.
Ah fuck mon mining. J'étais sur le mauvais mining pour les potions. On va faire stack le passif le plus vite possible. Je pensais que j'allais récupérer mon passif plus vite. Fuck my bad, j'ai complètement jeté ma lane là-dessus, c'est stupide. J'ai pris très mauvais trade. J'ai un peu jeté ça, c'est pas grave. Je peux TP dans 10. Oh, no bueno. Oh, nice. Dems, maître Yi. Oh, il doit être archi déçu. Bon, du coup, on va TP. Mais bon, voilà, genre, ne vous faites pas bait parce qu'il s'est passé en early game. Je fais encore énormément d'erreurs avec Ezio. Hein, genre. Je suis désolé si je vous ai donné de faux espoirs, mais je suis encore très loin d'être bon avec Ezio. Désolé. Ouais, j'arrive. Nice. Ok, sweet. Il y a des wards partout ici, what the fuck. Je peux la bait facilement. Après j'ai pas d'ultimate. Seul défaut. Ah non, c'est pas du tout comme ça que je voulais jouer le truc. Hein. Ok. Vas-y, je push. Ah, quoique non, il y a Talon qui se joint à la fête. Flash, nice. Ouais, je sais pas si on pourra jamais le chase. Ok, flash out. On va délier. Ok ou pas. Yes, on a l'ultimate Malfitsoon. Pas encore assez soon. Fuck. Ouais, juste. Mais juste back. J'ai pas envie que la Irelia se pointe au top et qu'elle défonce ma tour sur un mauvais timing de back. Ce serait con. On a le lié au top lane. Je pense qu'on peut la tuer facilement. Vas-y, go maintenant. Go. Nice. Bien joué ça. Et pourtant, j'ai fail. Le premier Q était dégueulasse. Et le dernier était pas ouf. Mais bon, genre, Irelia était tellement avancé. Ok, nice, on a la tour. Je push la wave et je vais back tranquillement. On a notre Phantom Lancer, donc on est plutôt bien. Normalement, il est foutu. Oh,
non, dommage. Ouais, elle se fait one shot. Maître y arrive. Apparemment, on n'est pas spoté. Donc... Fuck, j'ai raté. Ok. Oh putain, y'a Talon. Oh! Putain, mais genre j'ai... Ça fait... Là, je crois que c'est la quatrième fois dans mon existence que je tente... Que je tente le EQ flashé et c'est la troisième fois que je le rate, putain. J'y arriverai jamais, c'est incroyable. Genre j'ai l'impression que genre la frame où tu peux le faire est toute petite, quoi. Et pourtant, c'est pas comme si j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de mécanique, tu vois. Genre avec Lee Sin, t'as le E flashé, t'as le R flashé. Enfin, genre, je joue plein de persos qui ont ce genre de mécanique et genre, j'ai l'impression qu'avec Yezio, c'est impossible. Je sais pas si c'est genre la fenêtre est genre toute petite ou alors si je la comprends pas, mais. Nice. La frame est minuscule, ok. Mais bon, quand même. Le R flashé avec Lee est très facile. Ouais, mais je dis pas, tu vois, mais genre, c'est une comparaison, tu vois. C'est genre un des trucs qui est le plus proche mécaniquement de ça, quoi. Flash. Mais sûrement TP out du coup. Ok, non. Ok, elle a juste couru tout droit. On peut la kill ici, hein. Je vais attendre le Yi, je vais pas me montrer. Regarde ça. C'était obligé. J'ai pas pu win wall. Ouais, du coup, il tue les deux, c'est pas très grave. Fuck. Genre la frame où je me suis fait stun, j'ai pas pu win wall. Du coup, choqué déçu, c'est pas grave. Il ne le tuera pas. Par contre, faut meditate. Bon, après, oui, clairement. Par contre, s'il joue comme ça, le Yi, oui, là, il peut le tuer. Pourquoi tenter un Lingang au bot, honnêtement? Genre la Irelia va être obligée de passer top et de dépêcher ça. On tente un move au bot et après on le décale. Ouais, mais... En fait, non. Le Lee Star, il joue trop défensif. On puisse punir ça. Non, lui normalement il a pas de. Si j'ai pas de bêtises, il a pas d'ultimate, Coco. Ulti. Nice. On va se dépêcher d'aller cover. Ok, non, c'est bon, il en avait un. Je pense qu'il la gère largement. C'était juste au cas où, parce qu'en gros, j'avais pas. On a eu l'information sur les synomides, genre bien après que j'ai commencé à décaler. Du coup, voilà, je voulais aller top si jamais il y avait Lee Sin sur la top lane pour aider Maître Yi.
Du coup, le Yi est archi bien. Nous également, on est plutôt bien. Ah. Sympa, dans une très bonne posture. Hop, du coup on va back, on va aller top, on a notre TP, en 1v1 on la défonce clairement. Donc on va rester là-dessus. On a notre trinité, en plus on est archi bien. Oh merde, oh, avec le ghost, la MS qu'il a le Yi quoi, une fusée. TP aussi hein. Oublier tout. Juste garder en tête le début du move, le dive, le Q spell, tout ça. Gardez ça en tête. Le gromp, il s'est rien passé. En plus, le pire c'est que celui-là, je sais le faire en théorie. Je l'ai fait, j'arrive à le faire de façon assez régulière. Je dois le rater une fois sur 10 quoi. Bon, ok, nice. On va back tranquillement. Je suis indécis. Ouais, on va faire une Sunfire. Genre leur compo elle est tellement full AD de façon dégueulasse. Genre hein. On va juste être un monstre. Genre avec Trinité Fondamenter on va tuer tout le monde et après on va être full tank. Full tank. T'as pris quoi comme maîtrise? J'ai pris Fervor of Battle. J'ai pris 18-0-12. J'arrive. Ok, c'est pas dégueu ça. Ils ont utilisé masse pour tuer l'autre. Oh, il se fait exhaust. Go go go! Yes! Putain, je suis fier de moi! Ouh.
Arcanata le fait 5 fois par game ce move. Oui, mais on n'est pas Arcanata justement. C'est pour ça que ce move est beau. C'est la seule raison pour laquelle il est beau. Tu vois, Arcanata il aurait fait ouais, bon, facile, tu vois, genre normal. Genre, c'est la matinale quoi. Moi je suis en mode mec, j'ai sué pour ce kill, ok. Vas-y, on va du Onash avec le I. Pendant que le Malphite il est jambon. Yi! Alors regardez comment il découpe ce Onash quoi, what the fuck? Ah bon là, c'est fait. Hop. On va farmer 800 gold pour notre enduin. Beau wall, me jugez pas. Oh non. Non, pourquoi j'ai raté ce Q-Spell? J'ai raté pas ce Q-Spell, c'était génial. Bon, c'est pas grave. Oh. Oh. J'étais persuadé qu'il allait eux à travers le wall, tu vois. Vous savez, je peux pas. Je suis sûr qu'il y a une frame où je peux le faire. Ah voilà. Je vais juste la trouver. Il vient pas. Hein. Mon dieu, il y a plein. C'est ça qui est intéressant avec Yasuo et c'est ça qui rend le personnage si dur. C'est vraiment. Enfin, tout ce qui fait de toi d'un bon Yasuo, d'un Yasuo excellent, tu vois la différence, elle se fait sur des détails qui sont minuscules. Et ça demande genre masse entraînement pour réussir à faire la différence, tu vois. Et c'est pour ça que genre le stream d'Arcadata il est si impressionnant à regarder, c'est que genre en mode. Une fois que tu te rends compte de tout le travail qui est nécessaire pour faire la différence qu'il arrive à faire, c'est insane, man. Ok, bah con. Bon, du coup, c'est nice. On est niveau 17, on est le plus haut level de la game. On met 3 levels à Irelia et 100 CS. C'est correct. Correct comme performance. Fuck, putain, j'ai pas vu, ils ont pris les lignes, what the fuck. J'ai rendu les top. Cette histoire n'est pas encore terminée. My bad. Genre, c'est la mauvaise habitude de lire le chat quand t'es en game, tu vois. Genre, je devrais. Tu sais, genre, jeter un coup d'œil de temps en temps, mais pas full focus dessus. Go. Là. Voilà, merci. Ok, nice.
T'as genre Yezu au top contre full AD, genre c'est trop fort en fait, genre. Je fais mal et en plus je suis immortel parce que je peux me permettre de faire full armure quoi. Et c'est trop efficace contre leur compo. GG. Et du coup, il est midi 4, donc j'ai que 4 minutes de retard. Nice! T'as le beau jeu quoi. Nice! C'était bien ça comme game de Yasuo, putain. Oh, oh là là. Je vais pas vous mentir. À part le petit misplay en early contre l'Irelia, je suis plutôt fier de vous. Je veux pas faire le mec, hein. Je veux pas faire le mec, vous me connaissez. Mais là, quand même, je suis un peu fier de moi. Là, je suis plutôt satisfait. Bon, allez, moi là-dessus. J'espère que ce beau jeu, ça vous aura plu. Je vous...